jour je serai le meilleur tueur. J'obtiendrai tous les défis. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner des crédits. Je parcourrai la terre entière en partant avec espoir. Les Allemands et leurs collègues, le secret de leur pouvoir. Massacrer les tous, ensemble pour la victoire. Iron Man, rien ne nous arrêtera, notre connexion triomphera. Iron Man, massacrer les tous. Un voyage d'apprentissage, moi je fais tant pour l'hémorrage. Iron Man, massacrer les tous, massacrer les tous. Et je déclare à tous les Allomans du monde entier, un jour, je serai un maître Alloman. Le meilleur. Enragé d'une attaque éclair dévastatrice. Étant très affaibli par cette dernière attaque, le sort de Picafion était désormais entre les mains de Cracha. Alloman à Losto! Avis à la population de Javel. Avis à la population de Javel. Attention, on nous signale dans la région des braconniers qui pourchasseraient des Alloman. Nous vous recommandons donc la plus grande prudence. Méfiez-vous de toute personne au comportement suspect, merci. Ah, quand on parle du loup... Encore un effort, Picafion, on y est presque. Hop, 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 pas si vite. Où vas-tu avec cet Alloman comme ça? C'est mon Alloman, et je dois l'emmener de toute urgence au centre de Javel, car nous avons été attaqués en chemin et il est grièvement blessé. Oh, excuse-moi, je croyais que tu l'avais volé. Pauvre petit Alloman, il doit avoir extrêmement mal. Tu as raison, il faut l'emmener au centre Alloman au plus vite. Mais avant ça, tu vas montrer tes papiers. Mes papiers? C'est-à-dire que... Comment vous expliquer? Ah bah oui, le truc classique chez les voleurs de Alloman. Non seulement vous n'avez jamais vos papiers, car vous les avez toujours perdus ou oubliés, et en plus de ça, tu me dis que vous avez été attaqué. Mais qui me dit que cet Alloman est bien toi? Et que tu ne l'as pas défoncé pour te le procurer sans qu'il puisse se défendre? Comment peux-tu me prouver qu'il s'agit bien de ton Alloman alors qu'il n'est pas dans sa Allobol et que tu n'as pas de papier sur toi? Mais je vous en prie, jamais je ne volerai de Alloman! Vous devez me croire, Picafion a besoin de soins et je dois l'emmener de toute urgence, s'il vous plaît. Hé, hey, mais qu'as-tu sur le bras? Ça? Oui, un Allodex! Ah, voilà qui va nous permettre de tirer tout ça au clair. Nous allons savoir si tu ne m'as pas menti. Salutations, je m'appelle Dexter et je suis un Allodex. J'ai été créé par le professeur à la chaîne pour le dresseur Cracha du Bourg-Palette afin de le conseiller et l'aider sur les Alloman. Je ne suis ni échangeable ni remboursable, ce qui signifie qu'en cas de casse, vous l'aurez dans l'os. Je ne savais pas que mon Allodex pouvait me servir de document d'identité. Si vous me perdez, vous puis j'emmène Picafion maintenant. Non, tu ne l'emmèneras pas. J'ai une bien meilleure idée. Efficace partout sauf dans l'eau. C'est moi qui vais t'y emmener. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Accroche-toi! Un avis de recherche? Voilà qui est plutôt flatteur. Flatteur? Mais je suis ignoble sur cette photo.
professeur responsable et digne de ce nom ne ferait pas combattre son Alomone dans un tel état. Mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qui est arrivé. Peu importe, le passé n'a plus d'importance. Ce qui importe pour le moment, c'est de soigner ton picafion. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en attendant? Ne pas t'inquiéter en me laissant faire. Fais-moi confiance, ton Alomone est entre de bonnes mains. Nous ne doutons pas que vous ferez le nécessaire pour soigner ce picafion aussi vite que possible. Oui, et grâce à votre rapidité, nous serons en mesure de le remettre sur pied très vite. Eh bien, je n'ai fait que remplir mon devoir. Assurer la sécurité de la ville et de ses habitants. Je crois que je vais aller garer ce véhicule à l'extérieur. Et toi, je te conseille de nous attendre dans la salle d'attente. Mais je... Picafion. Le temps commence à paraître long. J'espère que tout se passe bien. Si seulement j'avais été plus vigilant, Picafion ne se serait pas retrouvé dans cette situation. L'infirmière avait raison. Je ne suis pas digne d'être un dresseur à l'Omen. Hein? Ah! Qu'est-ce que c'est? On dirait un Alomone, mais il ressemble pas aux autres, c'est bizarre. Bonjour, ici Cracha, qui est à l'appareil? Cracha, c'est toi? Quel plaisir de te revoir. Qui êtes-vous? Eh bien, c'est moi. Tu ne me reconnais pas? Eh bien, je dois vous avouer que de dos, c'est pas évident. De dos, comment ça? Oui, excuse-moi. C'était la mauvaise caméra. Bon, alors, ton excursion se passe bien? Où te trouves-tu en ce moment? Eh bien, vous devriez le savoir. Ah bon? Excuse-moi de te décevoir, petite merde, mais je n'ai pas encore des dons de devin, tu sais. Comment ça, je devrais... Ah, attends une seconde. J'y suis. Je viens de composer le numéro du centre de Javel, et c'est toi qui as répondu. Bah oui, puisque c'est là que je me trouve. En effet, c'est une explication qui tient debout. Tu me diras, tous les autres jeunes dresseurs y sont déjà arrivés. Il n'y avait pas de raison que tu ne parviennes pas non plus. Même si je dois t'avouer que quand tu es parti, j'ai cru que tu n'arriverais pas bien à t'occuper de ton picafion. Mais quand mon petit-fils Regnis m'a dit que tu n'arriverais même pas à capturer ton premier Alomone avant d'arriver à Javel, j'ai parié 100 000 crédits avec lui qu'il se trompait. Oh, mais vous savez, c'est pas bien les jeux d'argent avec la famille. Eh, non. Et surtout, je ne vois pas comment il pourrait me donner mes 100 000 crédits. Dites, professeur, est-ce qu'il s'agit d'un Alomone? Oh, tu parles de ce tableau? Oui, c'en est un, mais je doute que tu le rencontres un jour. Pourquoi donc? Il s'agit d'un Alomone légendaire. Contrairement aux autres, celui-ci est unique. Il n'en existe pas d'autre comme lui. Selon la légende, il s'agirait d'un Alomone extrêmement puissant et agile, capable de s'adapter à toute situation, faisant de lui un Alomone quasi imbattable. D'ailleurs, certains dresseurs ont passé leur vie à le chercher sans jamais le trouver. Oh, il a l'air génial! Il me faut celui-là! Mais t'es con, tu le fais exprès! C'est un Alomone légendaire! Si nous partons de l'hypothèse qu'il existe, tes chances de le rencontrer sont aussi grandes que de sauter de 10 mètres de haut sans péter une jambe. De plus, la légende dit de lui qu'il est imbattable. Or, pour capturer un Alomone, il faut d'abord le battre. Alors évite de dire des conneries, s'il te plaît. Ah, oui, vous avez certainement raison. Bien évidemment que j'ai raison. Ah, ça doit être ma pizza. J'arrive. Ah, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi, petite merde. Bonne chance. Ah, bien cramé comme je les aime, avec des bouts d'anchois bien écœurants. Youpi! Ah, toi! Hein? Enfin, je te trouve. Je me doutais que tu serais là. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton Warthog? Comment? Tu oses me poser la question? Monsieur, je vole des Warthogs aux inconnus pour les détruire et les abandonner ensuite? Oh, les détruire, faut pas exagérer. T'as réussi à venir jusqu'ici, ça veut dire qu'ils roulent encore. Regarde, le feu, ça impressionne un peu, mais c'est presque superficiel en fait. Je suis sûr qu'avec 2-3 petits coups de polish, on arrivera à... Bon. Ok, avant tout, il faut garder son sang-froid. Ce qu'on va faire, c'est que... Je vais te dire ce qu'on va faire, moi.
Tu vas me rembourser les dégâts de mon Warthog, et tout de suite. Je te promets que je te rembourserai bientôt, mais pour l'instant je ne peux pas, il faut que tu me comprennes. Je ne veux rien comprendre. Tout ce que je veux, c'est un nouveau Warthog. C'est à cause de mon Picafion. Il ne va pas bien. Oh, est-ce que c'est grave? Je crois que oui, et je ne peux rien faire pour lui venir en aide. Ah, infirmière! Où est mon Picafion? Est-ce qu'il va bien? Ne t'inquiète pas, Cracha. Ton Alomon est hors de danger. C'est une chance que tu aies pu l'amener aussi vite. Il devrait récupérer sans trop de problèmes maintenant. Et tout ça grâce au centre Alomon. Oui, merci beaucoup. Ton Alomon va devoir se reposer. Tu pourras rester près de lui si tu le souhaites. Oui. Écoute, pour l'instant, je ne peux rien faire pour toi. Je regrette, mais il va falloir que tu patientes pour le nouveau... Quoi ? J'ai l'impression que c'est la seule chose que tu sais dire. Toujours une bonne excuse avec toi. Tu peux t'occuper de ton Picafion, on arrangera le reste plus tard. D'accord. Attention, habitants de Javel, nous vous informons que nos radars ont indiqué la présence de braconniers au bord d'un appareil survolant la ville. Si vous possédez un Alomon, nous vous recommandons la plus grande prudence. Regarde comme ces pauvres imbéciles paniquent rien qu'à l'idée de notre présence. Tu te rends compte? Ils osent nous comparer à des criminels, alors que la team Croquette leur fait l'honneur de les survoler. Oui, je pense qu'il est grand temps qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Mouse! Une fois que nous leur aurons volé tout leur Alomon, ces enfoirés seront à l'heure que je suis Mouse, le Alomon qui parle. Cabo! Lago! À l'attaque! Cabo! Lago! Oh mais, à qui appartiennent ces Alomon? N'aie pas peur, mon petit. Permettez-nous de nous présenter. Afin de réserver le micro-ondes avec congélation. Afin de rallier tous les popoles à notre nation. Afin de détruire la moule et la virilité. Afin d'étendre notre couloir jusqu'à la voie d'à côté. Vessi! Nems! La team Croquette, plus acide que la rivière. Pendez-vous tous, ou ce sera la misère. Mouse, oui, la misère. Mais bon sang, qui êtes-vous et que nous voulez-vous à la fin? Je crois que le gamin n'a pas compris notre slogan. Mais il n'y a rien à comprendre, ça n'a pas de sens. Nous sommes venus pour les Alomon. Jamais vous n'aurez mon Picafion. Ton Picafion? Cette petite bestiole électrique ridicule. Nous ne recherchons que des Alomon rares et d'une grande valeur. Vous perdez votre temps, car dans ce centre, il n'y a que des Alomon blessés et affaiblis. Sans doute, mais nous ne serions pas étonnés de dénicher quelques spécimens rares dans ce centre miteux. Vous commencez sérieusement à m'agacer tous les deux. Oh, le petit s'énerve, comme c'est attendrissant. La colère lui va si bien. Mouse, qu'est-ce qu'on attend pour leur péter la gueule? Cabo, attaque! Lago, en avant! Ah, ah, Lago! Vite, par ici! Lago! Camo! Pourquoi il n'y a plus de lumière? Ils ont certainement dû couper le courant. Heureusement, nous avons notre propre réserve d'énergie. Les Alomons du centre sont stockés ici. Nous devons mettre les Alobols à l'abri. D'accord. D'accord. Comme... Oh. Ramassez vite les Alobols. Cracha, ils nous attaquent. Qu'est-ce que tu attends pour y poster? Vite, lance-les. Oui, tu as raison. Alobol, à l'attaque. Il n'y avait rien à craindre de cette bestiole. Ah ouais? Attendez de voir celui-là. Allo Ball, go! Waouh, là je suis impressionné. Oh, il est vide. Il se peut parfois que certaines Allo Ball soient vides. Ah bah oui, j'avais remarqué. Celle-ci est la bonne. Allo Ball, montre-leur ta puissance.
et nous. Waouh, quelle puissance. Maus, on défonce. Non. Assez rigolé, j'ai pas envie d'y passer la nuit. Va rejoindre Picafian, moi je m'occupe de ces trois rigolos. D'accord. Comme c'est mignon. Voilà jusqu'où peut mener le désespoir. C'est ce qu'on va voir. Où est-ce qu'il pourrait être? Ah, comme au... Oh non. La gueule. Oh non. Pika. Oh, ne vous inquiétez pas, ces trois-là m'ont l'air débrouillards. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Pourquoi avoir choisi de...